Bonjour tout le monde, c'est Feuille de Bruyère. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo sera la réponse de vos questions, du coup, la FAQ. C'est vrai que j'y réponds un petit peu tard. C'est vrai, j'ai demandé qu'on me pose des questions il y a une semaine. Alors, j'avais prévu d'y répondre pendant quelques jours. Sauf que j'ai eu cette grosse maladie qui s'appelle la flemme. Voilà. Bon, je vous laisse continuer avec la suite. Alors, nous avons des premières questions de Nuit Dorée. Est-ce que tu aimes les hamsters? Alors oui, bien sûr que j'aime les hamsters. Enfin, je trouve ça trop mignon. Enfin, la plupart des animaux domestiques. Ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée est le jaune. Détestée. Alors, j'ai pas vraiment de couleur détestée, mais franchement, j'aime pas trop le gris et le rouge. Enfin, je sais pas, c'est pas beau. Enfin, je sais pas. Alors, ton personnage préféré de la guerre des clans? Alors, mon personnage préféré de la guerre des clans, c'est Feuille de Houx. Mon personnage détesté de la guerre des clans, c'est Étoile Solitaire. Je le hais de tout mon cœur. Ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, c'est la raclette. Ton plat détesté? Alors, le plat que je déteste, c'est la brandade de morue. Enfin, c'est de la purée de poisson. J'ai mangé ça à la cantine. Ça m'a traumatisé. C'était dégueulasse. Voilà. Pourquoi cet OC? Alors, j'ai choisi cet OC parce que c'est l'OC principal de mon... Enfin, comment dire... de mon histoire, la guerre des clans. Puis il y avait une pote qui m'a fait un dessin de mon OC. Du coup, voilà, parce que moi, au niveau dessin, j'ai zéro. Voilà. Alors, ensuite, nous avons des autres questions de Miss Otari. Alors, ton animal préféré? Alors, voici la liste de tous mes animaux préférés. Est-ce que tu lis d'autres livres, d'autres à part LGDC? Je lis aussi les Harry Potter et les Royaumes de Feu. Est-ce que tu regardes des animés, mangas? Alors, non, je ne regarde pas d'animés. Est-ce que tu feras une vidéo sur l'histoire de ton OC? Alors, oui, c'est prévu très prochainement d'ailleurs. Voilà, j'avais pas trop d'idées. Bah écoute, ce n'est pas grave, hein, je te comprends. Et voilà. Tu feras ton histoire et le GDC demande-toi de lune. Alors très prochainement, je vais bientôt faire une vidéo, peut-être après là, cette vidéo, peut-être encore entre une vidéo, enfin voilà. Quel est le premier MP que tu as fait? Alors je crois que c'est à la vie, à la mort. C'était un MV sur un couple de la guerre de clan. Voici un extrait. Même à la fin, je crois que je t'aimerai encore. Je repense à tout ce qu'on se disait. Ouais, j'y repense encore. À la vie, à la mort. Voilà pour les questions de Étoile de Lune. Alors, nous avons des questions de Flocon d'Argent LGDC. Alors, ton personnage préféré de LGDC? Alors, j'ai déjà répondu. Mais j'aime beaucoup aussi Ombre d'Érable et Museau Cendré. Ton âge? J'ai 13 ans depuis plus d'un mois. Ouais. Tu es fière? Ouais, ça va. Je suis contente d'avoir mes 112 abonnés. Après, bon, voilà. Ton hors-série LGDC préférée? Alors, j'en ai deux. Mais c'est La Prophétie d'Étoile Bleue et La Vengeance d'Étoile Filante. Alors, donut ou caramel? Caramel, j'adore les caramels. Voili voilou, j'espère que tu verras ce com. Encore bravo ma chérie. Merci beaucoup. Alors nous continuons la vidéo avec une question de Erin Charles. Si tu devais te réincarner en un perso LGDC, ce serait laquelle? Alors j'hésite entre Poil de Fougère parce que c'est quand même un très bon guerrier. Franchement il a zéro prétention, tout ça, il est gentil, enfin il est parfait quoi. Et Étoile de Brume. Parce qu'Étoile de Brume, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est quand même elle est géniale, quoi. Enfin, c'est un très bon chef. Elle sait beaucoup faire preuve de tact et puis elle a jamais baissé les pattes quand elle a perdu à peu près tous ses proches. Bon, en tout cas, les deux, en vrai, les deux, ils ont pas eu des vies génialissimes. Du coup, je dirais l'un des deux, du coup. Une autre question de Flam Flam The Warrior. Personne-vous les GDC préf et détesté? Alors j'ai déjà fait. Ton cycle préféré? Alors mon cycle préféré, je dirais le cycle 1 ou le cycle 5, parce que le cycle 1, bah, tu vois, c'est le premier cycle, t'es génial. Tu apprends à connaître les nouveaux personnages, tout ça, tout ça. Puis le cycle 5, tu apprends aussi comment s'est construit les clans, du coup c'est assez intéressant. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Pourquoi Feuille de Bruyère? Bonne question.
Je sais pas, j'avais pas d'inspiration. En fait, je voulais. J'aime beaucoup le nom et le physique de Fleur de Bruyère. Bon, ça ressemble un peu beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah tiens, on va prendre à peu près le même personnage, mais on va changer en Feuille de Bruyère. Parce que je trouve que ça sonne mieux Feuille de Bruyère que Fleur de Bruyère. Voilà. Ensuite, nous avons des questions de Manaïs F. Quel est ton caractère ? Je suis plutôt gentille, timide, j'ai pas mal de jalousie aussi, je peux être un peu rebelle aussi parfois. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un de renfermé ou d'ouvert. Alors, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. Bah, je suis un peu renfermé quand même, mais ça va. Enfin, je suis pas une grosse introvertie, quoi. Je suis plus extravertie quand je suis à l'aise. Enfin, je parle beaucoup quand je suis à l'aise. Hein. Voilà. Tu te confies facilement. Non, franchement, non. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi, je dirais ma joie de vivre. Bon, il y a mon humour aussi, mais des fois mon humour il est un peu à chier, alors voilà. Regrettes-tu quelque chose que tu aurais fait? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas le souvenir, non. Voilà, j'essaie de poser des questions intéressantes. Bah, merci beaucoup. Quelle question de Naël Poitronneau. Quel projet? Alors, j'avais prévu de sortir une MAP un jour, peut-être, sans doute même. J'aimerais bien aussi faire, par exemple, faire un casting, en gros, doublé, des MAVs, GDC, où il faut prêter ses voix, tout ça. Le futur de la chaîne, je vais continuer à faire de la guerre des clans, et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai terminé. Être sur ma chaîne. Tu préfères Pelage de Lion, Œil de G ou Feuille de Houx? Alors, dans les trois, moi je préfère Feuille de Houx qui est mon personnage préféré. Et j'adore beaucoup Œil de G et Pelage de Lion, j'aime pas trop. Voilà. Question de Relio. Célibataire, la réponse est non. Ah merde, c'est dommage. Oui, je suis célibataire et en fait c'est même comme ça parce que j'ai pas envie d'être en couple. Voilà. Les nouvelles questions de Étoile de Lune. Alors, cycle 1 ou cycle 2? Cycle 1. Cycle 3 ou cycle 4? Cycle 4. Cheval ou chien? Alors, chien, parce que les chevaux, en fait, j'en ai trop. Enfin, quand j'étais petite, je pensais qu'à ça, j'avais tout, des chevaux. J'avais des posters de chevaux, j'avais des livres de chevaux, j'avais des figurines de chevaux, j'avais des histoires sur les chevaux, j'avais des jeux de chevaux. Enfin, c'est chiant. Du coup, là, je me suis lassée. Maintenant, en fait, j'en ai marre des chevaux. Voilà. Alors, une question de cœur de ronce. J'ai pas de question. Ah bah, si. Ben, tu as un chat, moi j'ai un tueur d'oiseaux qui se nomme Géa. Alors, non, je n'ai pas de chat, mais j'aimerais bien en avoir. Alors, prochaine question de Étoile de Lune. La France ou l'Espagne? Non, je rigole, c'est quoi ta chanson préférée? J'en ai pas. Enfin, si, je sais pas que j'en ai pas, mais j'en ai tellement en fait. Il y a une liste d'innombrables de chansons que j'adore. Prochaine question de Nina Bertome. Tu as commencé à lire LGDC quand tu avais quel âge? J'ai commencé à lire La Guerre des Clans quand j'avais 10-11 ans, dans ces eaux-là, je pense. Tu aimerais que des producteurs fassent un film ou un dessin animé LGDC? Je dirais plus... Allez, un film, comme ça, c'est pas mal. Quel est ton personnage préféré dans Le Clan du Tonnerre? Alors, j'ai dit que c'est Feuille de Houx, mais... Poil d'écureuil, j'aime beaucoup Poil d'écureuil aussi, voilà. Tu aimes le chocolat? Bien sûr, j'adore le chocolat. Tu as lu Harry Potter? Alors, j'ai pas tout lu, je suis au tome 4, du coup, la coupe de feu. Tu préfères poil de fougère ou poil de châtaigne? Ah, mais ils sont trop mignons les deux, je les adore. Je vais dire poil de châtaigne. Quel chef du clan de l'ombre tu aimes le plus? Oh là là, ah, c'est compliqué parce que les chefs du clan de l'ombre, putain... étoile de scène, ça sert à rien. Étoile grise, il m'énerve au plus haut point. Étoile brisée, n'en parlons même pas. Étoile noire, il sert à rien. Étoile du tigre, bon, c'est étoile du tigre. Étoile de G, je l'aime vraiment pas trop. Et étoile fauve et cœur de tigre, n'en parlons même pas. Alors, je vais dire ombre noire, c'est celle qui a créé le clan de l'ombre, parce que je trouve qu'elle est mieux que les autres. Et j'aime beaucoup, voilà. Elle mérite du respect. Et celui que tu détestes le plus? Alors je dirais soit étoile grise, soit étoile brisée. Tu préférerais étoile solitaire comme il est maintenant ou quand il était moustache? Je le préfère quand étoile solitaire était moustache, parce que j'adorais moustache, franchement, il pouvait être dans mes personnages préférés, mais étoile solitaire, je le déteste. Voilà.
Alors, une nouvelle question de Cassandra Fruto. Quel est ton perso que tu détestes? J'ai déjà dit étoile solitaire, mais j'aime pas grandement ciel bleu et étoile grise. En fait, étoile grise, j'arrive pas à le blairer, donc j'y arrive pas. Je sais pas. Voilà. Nouvelle question de étoile de lune. Plume grise ou étoile de feu? Plume grise parce que. Parce qu'il a quand même un peu souffert et il est gentil, enfin il est sympathique, il est assez drôle. Étoile de feu, quand il est devenu chef, j'ai trouvé trop gentil, un peu trop parfait, voilà quoi. Tempête de sable ou fleur de bruyère? Alors c'est pas deux personnages qui sont très très importants dans la série, mais je dirais tempête de sable. Feuille de lune ou poil d'écureuil? Poil d'écureuil. Nuage de jet ou fléau? J'adore le 2, je dirais nuage de G, rubis ou chaussettes, aucun des deux. Museau cendré ou cœur cendré? Museau cendré. Jolie plume, pelage d'orage, jolie plume. Et les dernières questions de Holy Cat. Ton clan préféré? Le clan de la rivière. Ton, tes animaux préférés? J'ai déjà répondu. Le guerrier le plus courageux pour toi? Moi c'est Feuille de Lys, parce que elle a sacrifié sa vie pour son clan dans la forêt sombre. Moi je ferais pas ça. Un personnage que tu voudrais être, déjà répondu. Ton chef préféré, étoile de brume, et j'aime beaucoup aussi vent. Ton chef préféré du clan de l'ombre, j'ai répondu. Ton chanteur préféré, alors j'en ai pas vraiment. Ton youtubeur préféré, le Vanquil Studio. Fais un top 10 de tes personnages préférés. D'accord, alors en 10ème place nous avons Pelage de Neige, en 9ème place nous avons Plume de Faucon, en 8ème place nous avons Étoile de Ronce, en 7ème place nous avons Feuille d'Ulysse, en 6ème place nous avons Étoile de Brume, en 5ème place nous avons Plume de G, en 4ème place nous avons Poil d'écureuil, en 3ème place nous avons Museau cendré, en 2ème place nous avons Ombre d'érable et en 1ère place nous avons Feuille de Houx. Voilà. Tu nies les royaumes de feu, oui. Si oui, ton personnage préféré. Mon personnage préféré des royaumes de feu, c'est Péril. Voilà, c'est tout. Et alors voilà, ma vidéo FAQ est terminée. Je sais que là, on est à 12 minutes de... On est pratiquement à 13 minutes de vidéo. Ça va être génial pour moi pour faire le montage. Hein. C'était moi, bonne chance. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avance, parce qu'il y a une ou deux semaines, j'atteignais les 100 abonnés, puis là, j'en suis déjà 112. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà, même si le confinement est terminé, restez toujours chez vous. Bonne journée. Au revoir.